Et salut tout le monde, c'est Steam, on se retrouve aujourd'hui sur GTA San Andreas, épisode 3. Ah, écoutez, on va faire quelques missions, on en a une juste là, donc on va la prendre tout de suite. I could drive as well as CJ, man, I'm telling you. Yeah. Hey, homie, what's up? Hey, what you saying about me, fool? What's up, man? I'm saying that the East Coast made you drive like an idiot, fool. Man, you always crashing cars and shit. And for some reason now, you back. All it is CJ drive here, CJ drive there. Bullshit. Man, why don't you just take it easy? No disrespect, man, but you can't drive for shit. Thanks, man. Nah. Say what you really mean. You such a good government, homie. You gotta ride shotgun. Show CJ what's cracking. Hey, you know something? You right. Cheers, CJ. You can drive, homie. He's tripping. On va y foutre un peu de bordel, là. Petite vue première personne, j'ai pas encore testé ça. Where we going, homie? Roland Heights, Baller's Country. Do us a little drive-by, huh? You know something, matter of fact, you are chauffeur for this little gig. Come on. Gee, thanks, Gee. Just don't drive like no fool. Mise à jour terminée d'un des meilleurs jeux qui existent au monde. Mais bon, personne n'est prêt pour ce débat. Ok, nous y sommes. Yeah, Baller's Turf. You dogs ready? Yeah, for sure. I'm ready. Carl, just concentrate on the driving, and we'll take care of the shooting. Listen to the man, fool, and try not to park us up a tree or something. Yeah, if the car stops, we dead meat. C'est noté. Ah, ça me stresse parce que depuis le début, cette casquette, je l'ai. Ou je l'ai eue, je sais plus. Ou je l'ai fait gagner à un concours, j'en sais rien. Mais cette casquette San Andreas, je l'ai eue. Stab out of here, CJ! Ah ok, on peut maintenir. We iced them, CJ. Let's hunt down some more. Speed up a little bit. Allez, fumez-les là. That was way too easy. Let's go blast on some more baller fools. J'essaierai de récupérer le pognon à la fin de la mission. Moi aussi, je peux participer un peu, non? Après, la voiture est dans un sale état, hein, pour le coup. J'espère que ça va aller. Je vais me les faire. Ah, je les ai ratés, la blague. Stab out of here, CJ. What is you doing, CJ? Smash on the car, smash. C'est bon, tranquille, regarde, évitez tout seul. Je vous ai aidé à viser. Oh merde! Oh merde, ça je l'avais pas vu venir ça. Vas-y, hop, je vous esquive là. Parfait. Oh le bordel qu'on a foutu en vrai. Babylon, CJ, Babylon. Ça va, c'est géré. Bon, j'aimerais bien qu'on ait une mission où je m'occupe de tuer des gars et tout, mais moi-même quoi. Parce que là je fais un peu le livreur depuis le début. Enfin le chauffeur Uber plutôt. Allez hop. Ça coûte 100$. Et c'est gratuit pour cette fois. Nickel. Hop. J'ai pas l'impression qu'il s'est repeint quoi que ce soit. Ou peut-être que je suis daltonien, je ne sais pas. Allez, on se casse. Yeah, Grove is back, man. Grove is back. Yeah, for sure. They were slipping, man. Man. I'm shocked you ain't get us killed, CJ. Let me check myself. Am I dead? Hey, Carl, ignore that motherfucker. You did good today. Ça me rend ouf, ces poteaux. Bon, bah, une mission bien rapide, hein. You're down with the Grove and the ballers know it. So watch yourself for now on, CJ. Yeah, for sure. You know that. I'll see y'all later. Here, take this. Go get yourself some beers. $500. Je vais pouvoir en boire un paquet de bière avec $500. Allez, on enchaîne. Sweet! Smoke! Shit, where all the homies at? F***.
fuck they at? Damn. Fuck it. Hey. Carl, no time to chit-chat. Been seeing a Seville family beer, work out on the street, and the boys don't like it. I'm pinned down in Seville hood, and we need a ride out of here. Pronto. Oh, for sure, man. Hang in there. Drop by Emmett's and get heated. Ok, sauve suite avant que le gang des Sévi Boulevard ne le tue. Ça marche, il y a sa barre de vie en haut à droite. Prendre le véhicule qui est là. J'ai pas d'arme. Donc je vais aller voir Emmett. On fait voir vite fait. Carte. C'est là ? Ouais, c'est là. On va aller le voir. Non, c'est un peu plus loin pour le coup. Doit être là derrière, ouais. Ouais. Emmett ! Ok, il n'y a pas Emmett, mais il y a un flingue. Est-ce que c'est normal ? C'est peut-être à cause de l'heure, non ? Il est 1h du mat. Ça semblerait logique. Bref ! Le principal, c'est que j'ai un flingue. Putain, il y a un bordel derrière. Il y avait des flingues là aussi, il y avait des trucs. Bref, on s'en fout. On va sauver Sweet. Et c'était une autre technique, ça, pour le coup. Tiens, mon gars. Ah, merci d'être venu sous mes roues. Ok, il en reste plus qu'un. Oh, la misère. Oh, c'était ridicule. That's my brother. Get a car, we'll meet you out front. Ok. Ah, une caisse à quatre portes, ok. Ben voilà. Seville family on our case, nigga. Shit is crazy, bro. We gotta bring the families back together. Yo, Dick getting us both in trouble again, sweet. Sister CJ, you want her now? Elle avance pas la caisse. CJ, I'm gonna give you a lesson. Bon, c'est une mission rapide encore. Même si j'avoue être mort bêtement, c'est pour ça que j'ai recommencé. I see you inside, baby. Man, this set tripping is killing the families. You did good back there. Hey, I'm a Johnson boy. Hey, I got unfinished business. Big love. Oh, je voulais des sous en plus. I'm tired of you not listening to me, girl. And I'm tired of you acting like you own me. I can see who I want to see. It just ain't right you seeing some cholo motherfucker. Oh, what? A no-good, narrow-minded, hypocrite gangbanger telling me what is right and what is wrong? Let me guess, sweet. Senseless killing right, but a boyfriend from the south side wrong? Some things ain't just meant to happen. I mean, what if y'all have kids? Leroy Hernandez? That don't sound His good, girl. His name ain't Hernandez. Well, Leroy Lopez then. Or Lopez either, you racist fuck. That ain't how moms raised us. I ain't racist, I just know how they feel about you. And look at you.
You dress like a hooker. Oh, and I guess you two would know what a hooker look like, huh? You say it like it's a bad thing. Shut up, Carl. I'm just trying to protect you. For what? So I can date one of your mindless friends? I don't think so. Don't say a word, Carl. Just follow your sister before you see another dead sibling. Then you know exactly what my problem is. She's meeting him at some cholo car club. Allez. Alors, certaines personnes m'ont demandé dans les commentaires si je prévoyais de faire du contenu additionnel, d'autres missions. Il y a certains GTA qui ont des missions taxi, par exemple, etc. Alors, la réponse est oui. Je pense qu'il y en a pas mal qui se sont abonnés à la chaîne récemment, j'allais dire à cause de GTA, mais non, grâce à GTA. Et évidemment, du coup, vous savez pas trop comment je fonctionne. Souvent, au tout début, je fais beaucoup de missions, dans les let's play en général, je parle. Hein. Beaucoup de mode histoire, on va dire. Et arrivé à la moitié d'un let's play, souvent, je traîne un peu plus, je fais des trucs à côté. Si c'est sur la route, par exemple. Si par exemple, dans un GTA, je vole un taxi, que je peux faire une mission taxi qui peut être sympa, je vais la faire, voilà. So you must be Sweet's bro, huh? He phoned ahead, said you might be looking for a car that bounces. Well, I owe him big from way back. So here, this should do the trick. Custom Spring should see you hopping all the way home. Try her out. Very popular with the SAs. They compete in these things. You can usually find them over by Unity Station. If you ever want to mod your ride, come back anytime, man. Pourquoi t'as fait une grosse marche arrière? Ah, rentrer dans le garage en marche arrière. Ah, d'accord, attends. Ok, je pensais que c'était prêt et qu'on pouvait y aller, mais non. Ok, donc là, c'est là où on peut modifier plein de trucs, d'accord. Alors, bon, je vais pas modifier grand-chose parce que je vais pas avoir les moyens. Surtout si je veux acheter une belle arme. Mais ouais, c'est cool. On peut faire des belles modifs, c'est vachement bien. Bon, on fera ça sur des belles bagnoles, hein. Ça, on s'en tape un peu. Du coup, on va aller à la Réunion. Désactivez-moi cette radio. Oh, voilà. Donc, du coup, je peux activer la suspension hydraulique. J'ai pas trop compris comment, à vrai dire. Voilà, normalement là c'est activé. Ok, oh ok, ah ! Ok. Out of the way. Énorme. Alors, hors vidéo, j'ai fait un truc que je vous ai pas dit, que je vous ai pas montré. Je suis allé un peu à la salle pour gagner en force, etc., en endurance. Voilà, c'est le genre de truc, pareil, souvent quand je fais des let's play, quand il y a des trucs de ce genre-là, j'évite de le faire en vidéo parce que c'est long, pas forcément intéressant. Après, je peux y aller une fois pour vous montrer, mais bon, c'est... c'est pas ouf, quoi. Mais au moins, ça permet de s'améliorer un peu, quoi. You up for a bounce, homie? La mise. Vas-y, je vais miser 250. Allez. Alors, je comprends pas trop le principe du délire. Je vois pas comment on peut faire des paris là-dessus. Ah, d'accord, ok. Bon là normalement j'aurais muté la musique pour éviter tout problème de droit d'auteur, comme dans l'épisode précédent d'ailleurs. Je l'aurais remplacé, peut-être.
I seen worse, but you did all right. T'as été nul, mec. Fais pas le fou. Je t'ai défoncé. That shit was all right. Ah! So since when has my brother been a low rider? Since Sweet told me to keep an eye on you. Make sure that whatever you dating don't get you in no trouble. Yonda, nice hopping, Holmes. Well, you just shook that whatever's hand. Come here, baby girl. Hey, get your dirty hands off my sister. What is wrong with you? Holmes, you're acting like she's your woman, eh? She's with me, cabron. So chill the fuck out. I treat her good. Look, baby, don't start no shit. Don't make it worse. Órale, vato. Okay? Who's this pendejo? What? Dickhead? This dickhead is my brother. Easy, Holmes. He ain't from nowhere. He's cool. Well, I say he ain't cool, Holmes. I say he thinks he's gangster, man. And I don't like it. So you know what you can do for me, man? You can fuck off, pendejo, and then maybe we cool. No, you fuck off. I'm talking to my sister. Carlos! Jose, come on, Holmes. I can handle this. This is important to me. Órale, pendejo. You lucky. That's right. You lucky, sister spoken for you. Vámonos, muchachos. Let's get some fucking beer, huh? I'm thirsty. Carl, what the hell are you thinking? Look, baby. Go get in the car, okay? I'm gonna speak to Carl. Look, Holmes, I love your sister. I honor her. She's my girl for life. This is why I stopped you from being skinned just then. You got a problem with me? Fine. We don't have to be friends. But Kendall, she's happy with me, carnal. Yeah, okay. I guess we cool, for now. Cesar Villalpando. Carl Johnson, CJ. Cabron, you got a nice ride there, Holmes. Maybe we'll get to kick it again soon, eh? Yeah, maybe. Bon. Problème réglé. Et je pense que ça va être un autre donneur de mission, du coup, ça. Ok, alors, plusieurs possibilités, regardons la carte. Soit je vais voir Big Smoke, Riders, et ah, il y a encore là, à la limite, avec OG, OG Lock. Je me tâte. Enfin, franchement, j'aimerais bien terminer l'émission avec OG, je pense qu'elles peuvent être sympas, vu qu'il prévoit de faire une teuf, etc. Ça pourrait être une bonne idée, je pense. On va faire ça. Putain, elle trace la caisse. Ah oui, mais à mon avis, je vais me faire avoir parce qu'il doit pas travailler à cette heure-là. Ah, on va vérifier, mais la dernière fois, il fallait attendre 22h. J'avais attendu parce qu'il était genre 21h, mais là, il va être 14h, je vais peut-être pas attendre. Hey, who is this? What's up, homie? It's Cesar Villalpando, cabrón. ¿Qué onda? You seen Kendall? Yeah, she's around, pero mira, I was just hitting you up to say that you drive good. And you like cars, eh? So, Yeah, I guess. We'll be going with this. Well, you want to make something, a little money? Does the Pope shit in the woods? I don't know, but if you do want a little extra, there's plenty of money to be made racing. You talking illegal street racing? Hell yeah! No hoofties, homes, just low riders. Nice ones. It gotta be nice if you don't get in, eh? Okay, I'm in. When and where? Drop by the spot in El Corona. I'll take you to the meet. Vouch for you. These guys can be very nervous with the new racers, eh? Ok, donc comme prévu, c'est un nouveau donneur de mission. Et je peux quand même accepter celle-là. Oh, la dégaine. Hey, it's OG Loke, homie, and I'ma kick a little something like this. Hey, yo, when I come through up in the place, you don't want me to come with a gun in your face. I spit it hotter than anybody in the world could do. That shit sucks. Damn. Damn, my shit was whack. Hey, what's happening, Loke? Hey, Carl, what up, man? Hey, dude, you ever thought about getting a writer to help you out with this shit? Yeah, I did. But who, homie? Who? Shit, I ain't in the rap game. You know, that ain't my thing. But, we'll have to think about something.
Man. How about if I get somebody to write something for me, only they didn't know about it? What? I think I just might have found a ghostwriter. I become the reciter, all-nighter, all-writer. Mad Dog's rhyme book from his home in the hills. Mad Dog's rhyme book? Man, you said you helped, Carl. Come on, man. I'm hot like fire, all-nighter, hey, all-writer. Hey, when I kick it, I'll do anything, homie. I swear that, okay? Va à la villa de Mad Dog. Ah ouais, mais bon, mec. Faut te décider, quoi. Droite, gauche, droite, gauche. Alors, c'est vrai que maintenant que je vous ai proposé les trois jeux sur la chaîne, alors je rappelle, tous les jours, il y aura du San Andreas. Ok. Et un jour sur deux, soit GTA 3, soit GTA Vice City. Un jour sur deux. Donc si jamais il y a GTA 3, le lendemain sera Vice City. S'il y a Vice City, le lendemain sera GTA 3. Bref, vous avez compris. Et donc, du coup, maintenant que j'ai testé les trois, je trouve effectivement que le San Andreas, c'est le moins impressionnant. Alors peut-être qu'il y avait moins de possibilités d'amélioration, ce qui est fort possible, hein, parce que c'est le plus récent. Mais bon, il est quand même vachement bien, hein. Il y a beaucoup plus de choses à faire que dans les deux autres. Mais d'un point de vue amélioration, point de vue graphisme, hein, je parle. D'ailleurs, il est même pas en 60 FPS, San Andreas. Il l'est en mode performance, mais en mode performance, il y a beaucoup de problèmes de couleurs, etc. D'ombre, de lumière, bref. Pourquoi c'est moins impressionnant les modifications. T'as la misère cette bagnole ici. Ok, nous y sommes. La porte principale se trouve à l'arrière de la villa. Attends, bouge pas, je vais rentrer vite fait là. Ok, le bouquin de lyrique est dans le studio d'enregistrement de Mad Dog. Et il y a un service de sécurité qui patrouille. N'utilisez pas de flingue en allant récupérer le bouquin de lyrique. Sinon, je vais me faire repérer. Sois discret. Ok. Je peux le buter discrètement avec une arme de corps à corps. Ok. Je pense qu'il y avait peut-être moyen de faire mieux. Oh merde, bah oui. J'ai pas été repéré, c'est un miracle. Alors du coup, il faut que je capte comment il avance, lui. Ok, t'es mort maintenant ou... J'ai eu un doute. J'ai l'impression que je le fais pas super bien en fait. De trouver un endroit pour me planquer. En fait, j'imagine que c'est en mode Assassin's Creed, genre tu passes derrière, tu butes le mec, mais c'est peut-être pas ça. Ah si, carrément. Si, je vois pas pourquoi j'arrivais pas à le faire avant, c'est assez étonnant. Mais bon, c'est passé, écoute. Il
Là, je dois m'accroupir et longer le bar. Fox, I mean, how can refract just mess up so bad, Tanner? You suck ass. Genre, pourquoi tu m'as vu? Bon, son pote, il a pas l'air très stressé. Ok, c'est bon. Ouais, je la fais n'importe comment la mission, mais écoute. Ah non, non, c'est pas bon. Ah si, c'est bon. Parce que je voyais deux points rouges sur la map. Ouais, la mission, je la fais n'importe comment, j'avoue. Ouais, je pense qu'il va pas lâcher l'affaire, lui. Doit être de l'autre côté. Oh, y a un gilet. Oh putain, je suis approché un peu trop. Oh bah c'est un miracle que je m'en sorte avec tout ça. Donc là j'ai le bouquin et je peux sortir du coup. Mais le problème c'est qu'il y a plein de gardes partout. Ah, ils ont des flingues silencieux. Ok. Hop. Et je le prends. Hop. Parfait. Il y a 5 balles. Je sais pas si on fera du miracle avec ça. Après j'ai un gilet, hein, donc je peux peut-être m'en sortir. Peut-être même des munitions en plus d'ailleurs. Parfait. Allez, on y croit. Ça se passe plutôt bien. Merde. Merde, double merde même. Et voilà. Bon, j'avoue, elle a été atroce la mission. Comment... Enfin, la mission, non. Moi, je suis atroce. J'ai pas capté comment ça marchait, les exécutions. Enfin, j'ai compris, hein. Je vois pas pourquoi ça a pas marché les deux premières fois, en fait. Ok, je vais lui rapporter ses paroles. Peut-être piquer une petite bagnole. Elles étaient sympas, les bagnoles, ici. Ah bah, elles y sont plus. Voilà, problème réglé. Ah les cons. Écoute, merci. Allez, dégage. Puis toi aussi, dégage derrière, là. Bon, bah c'est passé tranquille. Ah, faut pas que je fasse le con, parce que j'ai plus beaucoup de points de vie, quand même. Ce serait très con de crever là-dessus. Je voulais tenter la vue première personne, mais... Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Je suis encore en vie, je suis encore en vie. Je suis encore sur ma moto. C'est d'un pratique. Bon, vous avez pas vomi, c'est bon ? Moi j'étais pas loin là.
Hey, Loke, I got what you wanted. Holmes, you ice cold, dude. Hey, I'll catch you later. Peace, homie. Écoutez, vu qu'on est là, s'il y a moyen... Hey, excuse me. Loke around here? What? Who? You want friends with that? Loke. Is he available for communication? Who? Loke? Man. Oh, you mean Jeffrey. Yeah, our appliance technician called in sick, so Jeff, Loke, he got promoted. So? So? He's out back cleaning the fryer. Hey, what up, Loke? CJ, what's up, homie? Hey, my shit's so tight right now, it's about to bust. So you happy now, homie? Happy? Man, hell no. I can't take this shit much longer. Man, I'm an artist. I'd rather be inside. Man, I can't get it there for nothing. Motherfuckers always want to keep a nigga down. And that CPO, Mad Dog's manager, is putting on me real heavy, man. He covering my style for real. Heavy? Man, he 5'3". But that fool's strong. Man, we gotta take him out. He done blackballed me, man. I can't get in the game no way. I told you, I'm an artist, a communicator, and nobody can even hear my message. He going around telling everybody I'm whack. Well, he obviously ain't heard your new shit. That shit is outrageous. That's what I'm talking about, man. Down with a frown, on a tail, a sad clown. All right, so what you want me to do? I want you to take that motherfucker out. Kill him? Well, I ain't mean, Dana. Listen, he gonna be attending some award ceremony. And that's the only time he leaves dog side. Ok, un des chauffeurs du manager de Mad Dog est en train de manger au Burger Shot de l'autre côté de la ville. Ok. Il faut que je chourre sa caisse. You getting jacked. On va y aller. J'ai l'impression qu'il me fait aller un peu n'importe où là, le GPS. C'est juste à côté. Stupid bastard. Ah, Loke, what's up now, man? One of the Mad Dog chauffeurs just left the Burger Shot, cross town. Said he was headed over to the musical. Good looking, I'm gonna see if I can catch up with him. Ouais, en effet, on l'a vu partir là. Mais pourquoi tu fonces sur ma caisse aussi? What the fuck are you playing at? Ah merde! Attends! Attends! Rien ne s'est passé comme prévu. Enfin si! Mais je l'ai pas vu venir comme ça, je pensais qu'il partirait beaucoup plus loin, je pensais pas qu'il s'arrêterait tout de suite. Ok, faut juste que je la répare là pour le coup. Comment je fais? Genre juste la couleur? Ah ok, quand tu passes un coup de peinture, ça répare. Écoute. On en profite, hein. Ok, donc les autres chauffeurs, faut que je les vois avant 22h30. Il faut pas que je ruine la caisse. C'est peut-être ça le plus compliqué pour moi en fait. Après c'est pas loin, c'est pas loin. Mais arrêtez d'être con aussi. Regarde, c'est juste là.
Et je fais pas un créneau, hein. Je préviens tout de suite. Ah, dans le même sens que les autres. Ah, j'avais pas vu. Ok, ok. Eh, BG ou pas? Hey, what kept you? Come on, we need to go and pick up the bus. Hey, man, take me back to Dog's Mansion. Not today, asshole. Today, we taking the scenic route via the bottom of the ocean. Allez. The principal is being kidnapped. Rescue him at all costs. Who the fuck are you? Where's my usual driver? Lock this fucking door. I can't fucking swim, you fucking psycho. Ah, so I've heard. What you want, man? Money? I got... Shut up! Ok, ma chaîne, c'est ta vitesse. Ouais, oh, bon, va falloir que j'appuie sur le triangle pour sortir. C'est noté. Ouh! Ouais, je suis pas tombé. Si, je vais tomber. Mais si, je suis tombé. C'était limite, mais c'est bon. Ah ouais, mission terminée. Oh la dinguerie. Ah, voilà. Bon, on va faire une petite dernière. Une petite dernière mission, on va retourner voir Roger. Arrête-toi! Arrête-toi! Bon. Toi, arrête-toi. Gee, I'm just taking your call. Allez, c'est parti. What's happening? Don't try hit me up with that ghetto babble, boy. Officer Tenpenny, how you get my number? Ways and means, you piece of shit. You been trying to avoid me? No, sir. I just been busy, that's all. You're not busy unless you're doing something for us, you understand? Yeah. Loud and clear. Nice to hear it, Carl. Call in to the donut place in the middle of Market. We need to talk. Hmm. Écoute, je suis là, donc non, mais prochaine fois, oui. Hey, fuck you, man! And I don't care what you heard. I ain't nobody's ass technician, bitch. Hey, hey, what's up, Lo? Technician ain't gangster. That's what's up. I heard that. Listen, Carl. If I'm going back to a cell, I want to have a big party first. This may be my last chance to get hurt. Okay, so what's the plan? Well, I'm gonna slide back over to Grove Street and get those sounds bombastic fantastic. All right, so what you want me to do? I want you to get ready for the party and get some girls, man. Okay. Get some real fly girls, yeah. You know what I'm saying? The ones in the bikinis and shit in the videos. That's what I'm talking about. I told you, brother, I'm the chronicle of our struggles, the voice of the families, like Moses, only keeping it real. You said it. You know what I'm saying? Complètement taré. Bah écoute, go. Il me faut des fringues neuves. Faut que je me fasse couper les tifs. Et c'est entre 20h et 6h. Est-ce que j'aurai le temps de faire tout ça d'un coup? Voilà la map.
Sa teuf, elle est là. Ok, à la limite, je peux peut-être acheter des fringues là. Bah, ça va être fermé, à mon avis, non? Si j'achète les sapes ici, faut que je me fasse couper les cheveux. Les cheveux, à la limite, je peux le faire tout de suite. Attends. Peut-être moyen de tout faire, il y a peut-être moyen, on va voir. Ah non, c'est bon, j'ai pas le temps. Wow, like Kiflam and everything. What's the look today, dude? Waouh, on peut faire de l'afro et tout. Waouh, super afro. On peut voir ça vite fait là. Waouh, ok, go. There, what do you think? En mode ça change quelque chose. En mode attends, tu sais quoi, je vais faire une coupe afro. Bon, pas là, mais prochaine fois que j'ai besoin, je fais une petite coupe afro. Hey CJ, where what up, G? Hey Lo. This party is jumping. We got a gang of crazy ass bitches in the house. You coming over, homie? I don't know, man. I had some plans tonight. But we had a big disaster. I won't be rapping. My mic's broken. Ah, ok, I'm gonna come over right now then. Évidemment. Bon, attends, j'aurais peut-être pas la possibilité du coup d'acheter des fringues. Attends. Hop, la petite vieille. Attention! Allez, c'est parti. Hey, il y a un style ou pas là? Tu vois, j'ai laissé un peu de vert histoire de. Ça permet de changer quoi. Mais je changerai régulièrement parce que c'est vrai que les fringues ne sont pas ouf quoi. Mais je pense que c'est le magasin qui veut ça. C'est vraiment le magasin du ghetto ici quoi. Motherfucking mic is broke. Hey, what's up, homie? What's up, Rod? See all the homies in the back, man, away from this whack music. Man, I'm feeling it. C'est tellement nul. Damn, man, this lyrics is horrible. That dude needs some work, man. Hell yeah. What up, fellas? Hey, what's up with you, baby? So you back on the block, huh? Hell yeah. You a real killer, huh? What he done that I ain't, huh? Well, stall him out, nigga. Hey, relax, man. Hey, a baller's posse's about to run up. They're headed up here right now. Looks like we backed them ballers against the wall, huh? Hey, CJ, strap up. Scroll Street. La dégaine des mecs derrière. Les mecs, c'est des poupées russes, quoi. Shit, I'll go round up some homies. Okay, get some cars, block the road. The rest of y'all get heated. Okay. Carl, get some cover. Dump on them fools. Ok, lui c'est bon. Pas mal. Hey, look up, more of them on the bridge. Ah, je me disais aussi, ça allait être trop simple cette histoire. Carl, cover the alleyway. Je voulais ramasser les guns. Hey, I had that now. Hey, what you waiting around for? You tricked. Behind us, CJ, behind us. Ah oui, putain, oui. Attends. Oh, man. You want some lead in?
bitch. Ok, il y en reste peut-être deux, ouais. Hey, j'irai ou pas? Grow this king? Man, I ain't never seen the ballers roll that deep before. Yeah, they heard Carl Johnson was running with his brother again. Yeah, for sure. Come on, let's get back to the party. Shit, man, once Lope got off the mic, then the party got started. Eh ben, une bonne mission de terminer, c'était bien sympa. Un peu de bordel partout, mais bon, normal, quoi. Je pense qu'on a terminé les missions avec Locke, parce qu'il n'y a plus rien qui apparaît sur la map. Et ça semblerait logique, vu que son objectif, c'était de récupérer ses paroles, ses textes, et de faire un concert, enfin, un show, quoi. Eh ben, écoutez, je pense qu'on a terminé un bon morceau, et c'est bien cool. Merci à vous, en tout cas, d'avoir suivi la vidéo, un peu plus longue que les autres, enfin, normalement, j'ai essayé, tout du moins. Et au prochain épisode, bah écoutez, on fera d'autres missions. Et ce sera demain. À très bientôt, ciao tout le monde.